Ce samedi 7 octobre 2023, Giacomo Belmondo a un quart de siècle. Ses parents ont tenu à lui adresser publiquement leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute pour le jeune musicien. Né en 1998, Giacomo Belmondo est le troisième fils de Paul et Luana Belmondo et donc le petit-fils de l'acteur Jean-Paul Belmondo qui est mort le 6 septembre 2021. Ce samedi 7 octobre, le jeune homme fête ses 25 ans et a pu compter sur les doux messages de ses parents à cette occasion. Le cadet de la fratrie, qu'il forme avec ses frères Alessandro et Victor, est plutôt discret sur les réseaux sociaux mais partage de temps à autre des vidéos. Musicien, le jeune homme se montre, par exemple, jouant de la batterie. Il a également été modèle photo à de nombreuses reprises et ne suit donc pas les traces de son grand-père et de son frère Victor dans le monde du cinéma. Si est-il d'abord Luana Belmondo, sa maman, qui a partagé un doux message, comme chaque année, sur son compte Instagram. Sous une photo de son fils, elle écrit « Joyeux anniversaire, Giacomo. Chaque année, je suis émerveillée de te voir grandir, évoluer, et devenir l'homme incroyable que tu es aujourd'hui. Que cette nouvelle année de vie t'apporte encore plus de joie, de réussite et d'aventure. Sache que je serai toujours là pour toi, pour te soutenir, t'encourager, et célébrer chaque instant à tes côtés. Ti amo tanto tanto amore mio, ajoute-t-elle. De nombreux internautes ont réagi sous cette publication pour souhaiter à leur tour un joyeux anniversaire à Giacomo. Belle déclaration, joyeux anniversaire à votre fils, bon anniversaire à Giacomo, Giacomo, effacé, sans bruit, discret. Joyeux anniversaire, peut-on lire. D'autres abonnés de Luana Belmondo commentaient même en italien pour faire part de leurs vœux au bel ragazzo, soit au beau garçon. De son côté, Paul Belmondo a posté un message plus court adressé à son petit dernier. Joyeux anniversaire mon Giacomo, tu as 25 ans aujourd'hui et je suis tellement fier de toi, je t'aime. Postait-il sur Instagram ce samedi 7 octobre. Comme sous la publication de Luana Belmondo, son épouse, les réactions ont été nombreuses, à commencer par celle d'Élodie Constantin, ex-épouse de Jean-Paul Belmondo. Elle commente « Je pense beaucoup à toi Giacomo, tellement attachant ta mamie te souhaite une belle journée d'anniversaire, je t'aime fort. » Ils sont beaux tes garçons Paul. Toi et Luana pouvez être fiers d'eux. Joyeux à Giacomo, commentait une abonnée. Et d'autres d'ajouter, joyeux anniversaire à Giacomo un beau jeune homme plein de bonheur, bel anniversaire de naissance à ce beau jeune homme, très joyeux anniversaire à votre fils et à vous ses parents, vous avez une merveilleuse famille unie. À ce sujet, Victor Belmondo confiait en février dernier à nos consoeurs de Version Femina. Pour moi, ma famille est un socle si solide qu'instinctivement je m'appuie sur elle dans les bons comme dans les mauvais moments. Cet attachement se traduit par des rendez-vous incontournables comme les repas du dimanche orchestrés par ma mère, des sorties entre copains avec mon petit frère, Giacomo, qui est musicien, ou des visites chez mon grand frère, Alessandro, pour profiter de mon neveu, dont je suis gâteux, détaillait l'acteur qui suit les traces de son grand-père.